Bonsoir chers amis, nous voici maintenant au stade Saint-Symphorien. Je vous l'ai dit ce matin, je vous le redis ce soir, il ne faisait pas très beau et nous sommes à l'instant accompagnés de l'équipe de Michel Derzakarian qui va traditionnellement reconnaître la pelouse de ce beau stade qui est en chantier depuis plusieurs mois maintenant, mais qui est la terre ici, la pelouse des sixièmes du championnat. Nos Montpellierains sont là, en arrière-plan, derrière moi, tous présents. Deux heures avant le début de cette rencontre, le coup d'envoi sera donné à 19h précisément. Et puis, écoutez, on ne jouera pas notre peau, mais on ne jouera pas pour du beurre non plus. Ce match est très important pour la relance des hommes de Michel Derzakarian. On vivra tout ça en direct à partir de 19h sur Facebook Live, sur YouTube et sur Twitch, les réseaux du MHSC. Un petit texté, plus vite que son ombre, il est là, il est gain. C'est un morpion en fait. Nous voici donc au stade Saint-Symphorien qui, permettez-moi de le dire, en préambule de cette rencontre, chers amis, et quand même un bon souvenir des Montpellierains qui avaient décroché le match nul la dernière fois qu'ils étaient venus ici grâce à des buts marqués par Andy Delors, dont nous espérons que l'absence ne se fera pas cruellement ressentir ce soir une fois de plus. Et les buts égalisateurs à deux partout, mais c'était hier, ça n'est pas aujourd'hui, signé Junior Sambia. Merci. Jouer tout en blanc. Initialement, il devait jouer tout en orange, mais le corps arbitral a jugé que cela ne permettrait pas véritablement de pouvoir bien distinguer l'orange des Montpellierains à l'extérieur de la couleur grenat des mécènes de Frédéric Antonetti. Donc, nous allons jouer tout en blanc. Et naturellement, allez. C'est tout le malheur que l'on souhaite à la formation de Michel Derzakarian, qui bien sûr va serrer les dents comme ses joueurs vont serrer les coudes, se serrer les coudes sur le terrain. Le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant. Bonjour Suzette, bonjour Samir. Messi
dribble. Là, il y a un très bon ballon pour Mavididi qui vient de dribbler Oukidja. Oukidja, oh là là, il tire. Malheureusement, son angle était fermé. Ah, voilà une première situation favorable au Montpellierain. Sur Florent Mollet. Florent Mollet, l'ancien de la maison Messine, il y a joué 2 ans ici chez les Grenats à Saint-Symphorien. Et bon, c'est pas lui qui s'est perdu pendant la promenade matinale, bien sûr, dans la ville en question. Carton jaune de Ferry en direction de Mendes et maintenant de Junior. Ouais, la passe de Junior, elle est magnifique. Au cœur de la défense, le tir croisé. Oh là là, qu'il était beau le tir croisé de Florent. En deuxième grosse occasion pour les Montpellierains. Il y en a eu une pour Mavididi en début de partie. Sont beaucoup plus chahutés qu'on aurait pu l'imaginer. Les Montpellierains obtiennent un corner. Savagnier le tire très bien, ma foi. La tête au second poteau. Et il tourne, réclame une main. Les Montpellierains réclament une main. Ils lèvent tous les bras au ciel. Monsieur Le Chépi semble n'avoir rien vu. Je n'ai pas l'impression qu'on lui parle à l'oreillette. Donc, sur cette tête, match assez équilibré jusque-là. Metz a commencé fortement, mais il va falloir faire attention parce qu'on l'a vu sur quelques actions, ils peuvent être dangereux. Ouais, ils ont de la qualité, ils sont en pleine bourre en plus ces temps-ci, donc à nous de rester vigilants derrière. Et je trouve qu'on a quand même pas mal de maîtrise, c'est plutôt intéressant, il faut être patient, arriver à les manœuvrer et puis se créer plus d'occasions parce qu'on a la possibilité de faire centrer, mais qui est contré par Congrès. Maïga, la récupération, plein axe pour Santonze et qui va centrer Santonze. Oh là là, le ballon mal dégagé par Cozard, récupéré par Yadé. La frappe et le but. Aïe aïe aïe, la frappe et le but. Quasiment au point de pénalty. On se demande comment la balle a pu lui parvenir. Par contre, son temps de réaction a été spectaculaire. À peine a-t-il effleuré le ballon qu'il a déclenché la frappe immédiatement. Heureusement, il y a une petite fée qui veille sur nos Montpellierains. Ah, qui aurait pu veiller aussi à la 47e minute, vous allez me dire, mais sur le coup là, on a évité le 2-0. Allez, aïe aïe aïe, Ristich. Oui, c'est un bel enchaînement pour la Borde. Le tir au but. Le but de l'égalisation de la Borde. L'égalisation de Gaëtan la Borde. Cette frappe croisée superbe sur un enchaînement avec Florent Mollet, avec Mavididi. L'égalisation du MHSC, mes amis, à la 70e minute de la rencontre. Que ça fait plaisir. Bon sang, que ça fait plaisir. Je crois que c'est le 7e but de la saison de Gaëtan Laborde. Ah, c'est la 64e frappe de Gaëtan. Symbolique de surcroît. Le tir de Florent Mollet est détourné par Boulaya. Il était le seul en opposition. Et donc, Loulou va nous aider sur ce corner-là. Et il faut vite, vite, vite redescendre. Hilton le fait magistralement dans les pieds d'Ambrose. Ah, il est magnifique, Vito, de combativité. Gaëtan aussi. Ah, il est taclé. C'est pas Gaëtan là-bas. C'est Eliwayi qui a été taclé. Voici le coup franc que va tirer Florent Mollet. Ah, si on peut la prendre de la tête, bon, ça c'est magnifique. Le tir tendu de Mollet. Il a frappé. Sur les couillons, comme on l'a dit, quand même, à la frappe de Loya qui est contrée par Mollet. Récupération de Ferry et la Borde. C'est la fin. Oh, délivrance, délivrance, délivrance. C'est la fin. Nous sommes libérés. Match nul au final entre Montpellier et Metz. Un très bon point obtenu par le Montpellier héros ici en Lorraine. Ah, on n'aurait pas parié les yeux fermés vu la série qui était la nôtre. Alors bien sûr, c'est notre 9e match sans victoire, mais ça, c'est pas une défaite. Dans le cœur, dans l'esprit, dans le ventre et dans les guiboles, c'était presque un demi-succès plutôt qu'un demi-échec. Ramener un point de Metz face à cette équipe qui était en pleine bourre, ah, il faut savoir l'apprécier. Allez, ouf, un point de plus dans le Lorrain, ça nous fait passer à 29 tout ça. Et ma foi, j'aimerais savoir combien m'aurait signé le 1 partout à Metz il y a 2 heures de cela. Certainement plusieurs milliers d'entre vous. Il frappe de là, frère. Il frappe de là, frère.